running down to the red tide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Bon matin. Oups, on va ouvrir l'autre. Oh, ça fait bleu. bon matin, je suis venue vous parler dans la toilette parce que. Oui, bébé. Ouais, ben c'est ça, tous les enfants sont pas habillés. On a eu vraiment une belle nuit, sauf que Maverick a pissé dans le lit. Il s'est échappé, mais il y avait vraiment beaucoup d'eau. Quoi, maman? On va s'habiller, hein? Papa s'en vient. Ouais! Fait que là, il y a un bout de mon pyjama qui est mouillé parce que je me suis couchée avec lui parce qu'on avait peur qu'il bouge trop dans lui, mais il a pas bougé tant que ça. Que je veux pas qu'il tombe. Puis là, écoutez, on pensait que Maverick avait un orgelet. Vous avez peut-être remarqué dans le vlog d'hier, là, ça ressemblait vraiment à un orgelet. Puis là, aujourd'hui, quand il s'est réveillé, c'était vraiment plus enflé. Fait qu'on est comme, est-ce vacances de la construction, un dimanche, genre, où tu veux qu'on consulte. Mais bref, l'Anthony, il est comme 9h15, il a été à l'ouverture de la pharmacie à 9h, il a pris une photo de Maverick. Puis il a donné quelque chose derrière le comptoir, là, c'est comme un antibiotique, mais plus léger que, mettons, ce qu'il prescrirait à l'hôpital. Puis c'est comme des gouttes pour les yeux, fait que c'est, il y aurait comme une petite infection à l'œil, là. Mais hier, ça avait vraiment l'air d'être un orgelet, tu sais, comment c'était, tu sais, un petit peu enflé. Puis, tu sais, il n'y avait pas de, il y a pas de piqûre de rien, là. Mais là, c'était vraiment plus enflé. On y avait mis une compresse d'eau froide, au moins ça a comme diminué. Lui, il a pas mal, sauf quand on touche, ben quand il touche, là. Fait que, c'est ça, il y a les gouttes. Puis si dans 24 à 48 heures, il n'y a pas d'amélioration, ben là, il faut aller consulter. Mais, tu sais, c'est ça. 24 à 48 heures, on va voir, là. C'est que si c'est pas assez, l'antibiotique, ben c'est qu'il faut un antibiotique plus fort. Fait que, c'est ça. Il fallait que ça nous arrive en voyage. Mon Dieu. Fait que là, j'étais toute seule avec les gars, je me suis... ben les gars, les enfants. Je me suis laissé les cheveux. Oui? Il s'en vient, là. Il a été à la pharmacie chercher des gouttes pour les amarins. Je leur ai donné leur tablette pour qu'ils soient calmes pendant que je me prépare. Je me suis maquillée. Là, je vais habiller tout le monde. J'ai réservé le zoo, puis c'était des plages d'heure. Fait que c'est 10h30, 11h. Il n'y a pas les gouttes dans les cheveux. Ouais, mais il n'y aura, aura pas le choix. Il va être fermé ou faire. Ouais. Jaden, tu fais des beaux dodos? Oui. Oui. On disait qu'il avait vraiment hâte d'avoir tes lunettes, hein? Parce que ceux-là, ça y fait mal sur le côté. Tu sais, c'est ses premières lunettes sont vraiment plus petites. Je vais vous montrer comment elle est belle. Attends, on va placer. Montre-moi! Oh, wow! Montre-moi de devant! Oh, wow! Oh, les belles couettes! Oh, c'est beau! Wow! Oh, wow, les belles shirts! C'est beau, tu te regardes-tu dans le miroir? Regarde comment t'es belle! Oh wow! J'ai fait comme un petit... j'ai mis un petit élastique sur ses shirts parce que c'était trop grand. Fait que j'avais pris ça. Oh, c'est Old Navy ou c'est Gap? Old Navy. C'est ça, c'est un dirty, mais je, parce que je pouvais pas prendre un plus petit. Oh! Parce que... il y a pas d'élastique à la taille. Oh wow! Monte tes fesses! Oui, j'ai mis un petit élastique, hein? C'est bon. Fait que c'est ça, je pouvais pas prendre plus petit. Parce que... c'est juste parce qu'elle a plus de couches. Maman! Oui? Maman! Une petite boule, hein? Attends, je vais monter ça. Voilà. Très belle, Amanda. Est-ce que t'as hâte d'aller voir les animaux? Oui, là, on va habiller les gars.
3 heures. Les enfants sont dans les jets d'eau. On est mort. C'est tellement gros. Le zoo ici. Ça vaut la peine de l'activité. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Tu peux vraiment faire une journée. Ouais. Il y a deux sections là, qu'on n'a pas fait encore, puis je pense qu'on fera pas. Là. On va aller à la chambre d'hôtel, puis on a même décidé qu'on. Ouais, on skip le resto, ouais. Manger au resto avec les gens. On est chanceux qu'il fasse pas soleil. Ouais, ben c'est une super belle. Dans le fond, tu sais, il fait beau, mais il y a comme un petit voile de nuages partout, puis une chance, parce que sinon on brûlerait. Là. Le set est grand. Ah, oh, ouais, c'est avec vraiment une poussette double, avec des affaires qui ne veulent pas marcher, ça fait long. Ouais. Puis il y a Amanda qui, elle veut marcher, genre. Mais... Elle marche super lent et qui tombe. Ouais. Fait que c'est ça, vraiment, c'est un super beau zoo. Vraiment. C'est super beau. Il y a une section avec un train, c'est 65 minutes le tour de train. Mais c'est vraiment bien fait, là. Même pour le COVID, c'est tout séparé. Il y a du genre de. Comme un plastique, là, entre les choses. C'est une banquette qu'on prend par famille ou groupe. Ouais. Puis c'est 5 personnes par banquette. Ouais, fait que c'était vraiment fun. C'est inclus, là, c'est. Ouais. Des fois, oui? On paye, on fait de plus pour le cours, là, mais là, c'est inclus. Quoi? C'est les toilettes? Allô? Non, papa, il n'a pas cogné. Il est rendu genre 7 heures. Mes cheveux sont mouillés. On a été à la piscine. Après le zoo, on est venu se reposer dans la chambre. Relax. Il y a juste Amanda qui... Ben, Anthony a dormi. Après, il s'est réveillé. Moi, j'ai dormi un peu. Puis Amanda, elle s'est endormie avec moi. C'est rare, là. Elle devait être morte. Parce que, comme je vous dis... Elle voulait juste marcher au zoo, mais genre, c'est gros, là, le zoo. Ouais, là, vous entendez un petit peu Peppa Pig à l'arrière. On attend qu'Anthony arrive. On a décidé de pas aller au restaurant. Mais en fin de compte, vous étiez plein à m'avoir proposé du Midas. Fait que c'est à 2 minutes de l'hôtel. Oui? Ah, tu l'as fermé? J'arrive. Fait que... Je me suis dit, ben ça me tente. J'ai vu qu'il y avait pizza Getty. Fait que je me suis dit, je vais manger ça. C'est vraiment pas cher les repas pour enfants. C'est 5$, genre 5,70$. Fait que on va manger ça. Ils vont tout se coucher tôt. Puis Anthony est parti acheter du coke parce qu'il veut du coke avec genre de la glace de la chambre. Demain, on a prévu une journée. Ah oui, puis un paquet de yogourt de plus pour déjeuner demain. Fait que c'est ça, la piscine, il y avait quand même pas mal plus de monde aujourd'hui, là, mais c'était comme plein de familles ensemble, là, fait que c'est pour ça, mais on s'est quand même baigné dans la section profonde. C'est quand même très creux, genre, je touche pas au fond. Oui? Fait que c'est ça, puis là, on est en train de chercher, écoutez, et on va être 15, 14, 15, je sais plus. Pour à Québec, puis là, il y a genre nulle part qui prennent des terrasses pour 15 personnes. Parce que tous les restos qu'on connaît, c'est plus des petites terrasses. Puis là, j'ai vu, ben, je vous ai posé la question, puis l'abonné me dit le 737. Puis là, j'ai été voir ça sur Google, puis à ce que je comprends, c'est genre, on dirait plein de food truck avec genre un avion, puis c'est genre nouveau, fait qu'il est comme pas full d'infos, mais ça a l'air vraiment hot. Tu sais, il y a plein de tables, il y a une section plus familiale, il y a une section plus bar. Puis c'est samedi, fait que le samedi, il y a un DJ. Fait que c'est quand même, je suppose qu'il va avoir beaucoup de monde. Mais je pense que c'est une option qui serait bien pour nous. Hey, parce que on va avoir, on a 3, 6, 7. Il y aurait 7 enfants, là, sur 14. Fait que... C'est beaucoup quand même, là. Ouais, fait que c'est l'option que je vois qui semble bien. Si ça marche, là, je sais pas trop si c'est genre bondé de monde, là. Mais ça serait le fun que ça marche pour samedi. C'est loin, là. C'est dans une semaine. Mais c'est ça, comme on s'était rajouté une journée à Québec, comme je l'ai dit dans le vlog d'hier. Oh! J'ai fermé la porte de la salle de bain. Je me souviens, tu comme hier? Le bol pour me parler. Alors, ouais, on va faire ça. On a soupé du. Ben, il est quelle heure, premièrement? Il est genre 10h30, je pense. Tout le monde était brûlé.
Ils sont endormis vers 9h. Un peu avant ça, on a comme tout fermé, là, mais on a soupé tard. Et, fait qu'Anthony, il a emporté du Midas. Fait que là, j'avais demandé pizza Getty. Le spaghetti est vraiment bon. C'était, j'aime vraiment le genre de sauce comme avec un petit goût de sucré. Puis et la pizza. Il m'a pris au smoked meat parce qu'il sait que j'aime le smoked meat. Mais c'était genre une all dress avec du smoked meat. Et moi, il y a deux choses que j'haïs dans la vie. Des champignons puis des œufs. Puis il y avait full champignons, genre. Tu lui as pas pensé, là, demander s'il y avait des champignons dedans. Il pensait juste c'était comme genre avec du smoked meat, des fromages smoked meat ou je sais pas trop là. Fait que là j'ai comme enlevé la grosse couche de champignons qu'il y avait dedans. Sérieux, ça m'écœure les champignons, je suis vraiment pas capable. Mais était bonne, excepté c'est sûr qu'il y avait des champignons, mais le goût était bon. Après avoir enlevé les champignons. Ouais, fait que, mais on dirait, tu sais, les champignons, tu sais jamais si c'est ça tout enlevé. Genre. Fait que, mais ça, les enfants, hey, c'était vraiment pas cher, là, les genres de trio pour enfants. Pour vrai, ça nous a coûté comme 20$ de moins que ce midi au zoo. Ouais, fait que, puis on avait vraiment beaucoup de bouffe. Puis ça venait, genre, avec des canettes de liqueur, là, plein format, là, dans le trio des enfants. Fait que c'est vraiment pas cher. Fait que c'était bien parce que dans le fond, on allait acheter. Ça ne tentait plus d'aller au resto. Fait que là, on avait dit qu'on achèterait comme des repas déjà prêts, là, au IGA, genre. Un peu comme hier, mais chaud. Parce qu'il y a un micro-ondes, dans le fond, fait que, sur l'étage. Mais là, j'étais comme, oh, ben, t'as qu'à faire, tu sais, c'est à 2 minutes. Puis c'est pas. Tu sais, c'est parce que rapporter, commander. Apporter genre 100$ de souper à la chambre, je trouve ça comme un petit peu plate. Mais là, c'était comme pas vraiment cher pis tout. Fait que, parce que quand c'est des beaux restos pis tout, j'aime ça aller dedans, mettons. Mais c'est ça, fait que le zoo, ça a vraiment bien été. Les trois, ils ont adoré, ils en ont vraiment parlé, ils disaient qu'ils voulaient y retourner. Fait que ça, c'était vraiment le fun. C'est super grand, vraiment, là. Magnifique. Pour vrai, c'était la première fois qu'on y allait. Fait que c'est ça. Les cheveux mouillés, je vais me faire des petites tresses pour dormir. Demain, il y a vraiment comme zéro stress, dans le sens que peu importe l'heure, c'est pas grave, il annonce beau toute la journée. Parce que des fois, quand tu es en voyage, mettons, tu prévois des choses. Mais que, mettons, il annonce beau juste le matin, juste l'après-midi. T'es plus, mettons, serré dans ton temps. Mais là, demain, on l'est vraiment pas. Et, il annonce 30 degrés, là. Fait que mon plan, je pense, c'est qu'on va aller peut-être vers 10h, 11h. On va voir à quelle heure les enfants se lèvent. On va aller à la plage. On va dîner à la fromagerie. Peut-être si les enfants aiment beaucoup ça la plage, on va y retourner. Ou on va aller un parc. J'ai vu qu'il y avait un parc proche. Il y en a un à Robertval aussi. Il y a une crèmerie que je voulais essayer à Robertval. Fait que qui est comme où qu'il y a la marina. Fait que je trouvais ça beau, tu sais. Ouais. Je voulais aller voir ça. Puis je me dis peut-être ça en après-midi. Puis en même temps, on a réservé pour le souper au restaurant. À l'hôtel. Fait que on arrive là, 16h30. Fait que là, tout dépendant, peut-être. Sinon, je demanderai un peu plus tard si on irait à la crèmerie en après-midi. Mais c'est pas mal ça. Puis aller un petit peu à la piscine. Et là, c'est ça, on est le dimanche le 18. Et demain, mon livre, le tome 2 le 22, sort en librairie. Dans le fond, partout. Là. Renombré. Indigo, Archambault, on peut le trouver vraiment partout. Ça sort demain, sauf que comment ça marche, c'est qu'ils vont probablement les recevoir demain ou je sais pas quand qu'ils ont reçu, mais des fois ça peut être décalé de 2-3 jours avant que ça soit mis sur le plancher. Fait que j'en parlerai pas sur Instagram demain. Et à Chicoutimi, on va à Chicoutimi dans 2 jours. Je vais essayer d'aller au magasin voir si mon livre est là.
tu sais, ça serait spécial de voir mon livre en plus, tu sais, à Chicoutimi, ça fait différent, là. Fait que, c'est ça, fait que si vous le savez pas, mon tome 2 est maintenant disponible partout. Vous pouvez aussi le commander sur le site de Victor et Anaïs. Explore ça, puis très souvent, Victor et Anaïs, ils ont des promotions, genre livraison gratuite ou un petit un pourcentage de rabais, mais c'est vraiment en aucun lien avec moi, là. C'est pas moi qui décide des promotions. Quand il y en a, je le vois passer en même temps que vous, là. Fait que c'est ça, je suis vraiment contente. Fait que si vous voulez m'encourager, ça me fera vraiment plaisir. Si vous lisez mes livres, puis vous me dites ce que vous en pensez, comme je disais, là, dans un autre vlog, le tome 2, on dirait que c'est encore plus spécial que le tome 1. C'est le tome 1, je raconte, ben là, c'est parce que, ben, en gros, anyway, si vous lisez le résumé, vous savez c'est quoi, ça parle d'une grossesse. Fait que, tu sais, tout le livre tourne en gros autour de la grossesse, mais tu sais, le tome 2, c'est complètement autre chose. Fait que, je trouve ça vraiment le fun. J'ai vraiment eu du plaisir à écrire ce livre-là. Puis, tous les commentaires que j'ai à date de ceux qui l'avaient précommandé, c'était vraiment des beaux commentaires. Fait que, je suis vraiment contente de ça. Puis, c'est pas mal ça. Sur ça, je vais me faire des tresses. J'allais me coucher. On a collé le lit sur le mur parce qu'il se bougeait. Pour être sûr que Marie ne tombe pas, parce que là, on s'était dit qu'on allait dormir ensemble. Fait que les gars allaient se coucher ensemble. En fin de compte, en les couchant, on les a couchés comme séparés. Et Anthony s'est endormi. Fait que c'est ça. Je vais coucher avec Marie, probablement. Fait que c'est pas mal ça. J'ai hâte à demain. Puis là, j'ai hâte aussi. Ben, en fait, genre, après cette super belle journée, je suis comme, okay, je peux pas croire, c'est genre le premier jour des vacances, parce que on va juste vivre plein d'autres belles choses comme ça pendant les vacances. Puis Anthony, dans le fond, Anthony nous a planifié deux belles journées à Québec. Dans le fond, c'est le samedi là, qui était notre départ, ben on va avoir une belle journée à Québec, puis on va avoir une belle journée dimanche aussi à Québec. Parce que moi, je lui ai dit, je vais réserver un hôtel, mais c'est toi qui t'occupes de planifier les deux jours. Puis donc, parce que tu sais, il cherchait plein de restos, puis ça fait le même. Puis après, il était comme, mais genre, c'est beaucoup de choses, planifier, c'est compliqué. Là, je suis comme, j'ai planifié toute la semaine. Fait que, c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous a trouvé. Ça va être le fun, j'ai hâte de vous montrer, là. Si ça marche, ça va être différent. Fait que,